J'adresse ces quelques mots à mes camarades, aux amis innombrables de mes associations. Le geste Croix de Feu ramènera la France à sa tradition, l'entraînera vers le progrès humain, la restituera vivante et rajeunie au peuple de chez nous. Celui-ci, qu'on ne saurait niveler vers le bas sans le jeter dans la décadence, ne retrouvera l'expression de son génie que par un effort constant pour égaliser ses enfants vers les sommets de l'âme, de l'esprit, de la fraternité sociale. Ainsi, notre pays sera-t-il rendu à ses destins. Nous voulons la France française. Je leur demande d'ajouter à notre Marseillaise immortelle, qui doit garder sa place souveraine, le chant des Croix de Feu et des volontaires nationaux. Ce chant est étranger à toute musique vulgaire, à toute rengaine triviale. La ligne mélodique si pure, si simple et si profondément sincère de cet hymne à l'espoir, à la joie, à l'honneur, est soutenue, étoffée par une orchestration brillante dont la technique impeccable est au service de l'art le plus raffiné. Et voici que mon camarade Charles Panzera, ancien combattant des premières lignes, interprète somptueux, orfèvre de la mélodie, veut bien lancer lui-même au pays notre cri de réconciliation.